Il est épatant, ce petit Leonardo di Carpaccio. Il me fait penser à moi lorsque j'étais plus jeune. C'est Mathieu au volant d'un kart incontrôlable qui fonce droit vers le quai. Mathieu Joanneau est au volant d'un kart incontrôlable qui fonce droit vers le quai. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il fait tout noir. Pas de panique, je suis juste derrière. Hop là. Je te rappelle que tu devais foncer dans les cartons. Oh, si ça continue comme ça, je devrais faire toutes les cascades moi-même. Je me demande si justement elles ne sont pas un peu trop spectaculaires, Nicolas. Je suis vraiment désolée, mais ne t'en fais pas. Il reste seulement une scène à tourner et qui ne représente aucun danger. Je te le promets. Je te fais confiance. Alors, bonne chance. James Tong, le super espion, scène 57. Face à face dans le repère du méchant. Et action! Ah, ah! Monsieur Tong, depuis le temps que je vous attendais. Goldfinger, ma bonne vieille ennemie. Oh! Vous m'avez tendu un piège! Numéro 2, attachez le prisonnier. Et coupez! Attachez ma doublure! J'aime pas les tournages de films. Et encore moins être attaché à une chaise. Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de cette loupe et des rayons du soleil pour mettre le feu à la corde et te libérer. Comme ça. C'est quand même pas compliqué. Eh bien... Oh. Et action. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Très fort, oh.